cette nouvelle vidéo. Donc le but de cette vidéo, c'est de faire le tour des fonctionnalités de Sequoia, de voir différentes parties du logiciel et voir comment toutes ces parties vont s'articuler pour pouvoir vous donner le meilleur des informations propres à votre entreprise. C'est parti. Donc la première chose que nous découvrons dans Sequoia, c'est donc la fenêtre de connexion. Donc rien de bien spécifique par rapport à cette fenêtre. Hein. Donc vous tapez juste le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Voilà, c'est parti. Donc lorsque vous allez arriver dans le logiciel, donc on va déjà déterminer, je dirais, trois grandes parties. Donc le menu en haut, le menu principal hein, de Sequoia, qui va se subdivisé en sous-menus au fur et à mesure que sur chaque icône nous avons un petit rond avec la flèche vers le bas. Ça vous indique qu'il y a un sous-menu. Après, sur chaque, alors ce que nous on appelle le polymorphe, donc ce qui est un formulaire de saisie en quelque sorte. Donc là, ici par exemple, j'ai le formulaire des affaires qui ont été enregistrées dans le logiciel. Donc à partir de là, sur le formulaire, on va voir sur la partie droite le menu secondaire, c'est-à-dire le menu qui est attaché à ce formulaire-là. C'est-à-dire que vous voyez, si par exemple je vais sur ma base article, le menu de droite, donc qui est le menu secondaire, va afficher tout ce que l'on peut faire à partir de notre fiche article en l'occurrence. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle la partie où vont se trouver les informations, c'est-à-dire les formulaires de saisie, les états d'édition, les requêtes. En gros, c'est ces trois grandes catégories. On va se retrouver toujours en permanence sur cette partie centrale. Sur la partie centrale, vous allez avoir, avec l'aide du bouton droit de la souris, le menu contextuel. Donc, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce formulaire-là. Donc, à partir de ce formulaire, les choses principales d'ailleurs, ce formulaire ou d'autres formulaires, hein, c'est le nouvel enregistrement, c'est-à-dire quand on va créer soit un nouvel article, soit un nouveau client par exemple, ou soit une nouvelle commande, ce sera toujours clic droit, nouvel enregistrement. Bon, après, nous avons l'option de pouvoir supprimer un enregistrement. Donc la suppression, deux choses bien distinctes. On peut supprimer par exemple lorsque nous sommes sur une fiche, c'est-à-dire visualiser les informations une par une, comme ici sur les articles. Vous allez pouvoir cliquer et faire un clic droit supprimer l'enregistrement. Et là, vous aurez en permanence une confirmation de la suppression de l'enregistrement. Ça, c'est pour les formulaires où on va trouver les informations une par une. Cependant, lorsqu'on va se trouver sur un tableau, comme ici le tarif, il faut d'abord sélectionner l'ensemble de l'enregistrement en cliquant sur la partie gauche du formulaire, la partie grise pour sélectionner l'enregistrement. Et là, pareil, clic droit, supprimer l'enregistrement. D'accord? Et là, il y a toujours le message de confirmation. Vous voyez, si cependant je n'avais pas sélectionné ma ligne, le bouton supprimer l'enregistrement ne s'allumerait pas. Dans le menu contextuel, après, on va voir ce qui est très important et au cœur aussi de Sequoia, c'est la gestion électronique de documents. Alors, le principe de la gestion électronique, c'est-à-dire que à chaque information, chaque article, chaque tiers, chaque devis, commande, BL facture, vous voyez, par exemple, si je vais sur mes commandes et que je clique droit, j'ai aussi ma gestion électronique de documents. Donc, le principe, c'est le système va vous créer un dossier et ce dossier, il va être associé à votre commande ou à votre article ou à votre client. Par défaut, ce dossier va créer aussi des sous-dossiers où on va retrouver les documents joints. Donc, les documents joints, c'est un dossier un peu particulier où, lorsque vous allez déposer des documents dedans, il utilisera cette information-là. Lorsque vous enverrez des documents par mail à un fournisseur ou un client, les documents qui seront dans documents joints seront automatiquement joints à votre email. Après, dans la GED, on va avoir donc la GED gestion électronique de documents. Nous allons avoir un répertoire documents envoyés. Et dans documents envoyés, à chaque fois que vous imprimerez ou vous enverrez un document par mail ou vous exporterez un document, une copie sera mise dans documents envoyés avec un redatage.
qui vous permettra de retrouver rapidement les documents que vous aviez envoyés à une certaine époque. Donc la gestion électronique de documents, donc c'est très important, c'est toujours clic droit, gestion électronique de documents. Et là, vous venez juste glisser, par exemple, vous voyez, sur ce document-là, j'ai un mail, vous voyez, je vais ouvrir ma boîte mail, par exemple. J'ai un mail associé, donc par exemple le mail de la commande de mon client. Je vais venir juste la glisser. Bon, imaginons celui-ci. Hop, je viens faire comme ça. Toc. Et là, attendez, je vais venir, c'est ici que je vais le glisser. Et voilà, je viens le glisser ici. D'accord? Donc une manipulation très simple. Voilà. Et donc maintenant, à chaque fois que je vais revenir sur cette commande test, je pourrais rapidement connaître les différents mails qui sont attachés à cette commande. Si on continue notre menu contextuel, nous allons avoir donc les traditionnels copier-coller. Alors, le copier est toujours lié à ce qu'on sélectionne ici, ou en partie boss à une sélection de type ligne complète. Voilà. Le copier, bon évidemment, on peut aller après sur Excel, hein, évidemment. Cependant, le copier-coller vers Excel, lorsqu'on est sur des types gris, hein, bon, là par exemple, j'allais prendre quelque chose où il y a plus, voilà, de plus d'informations, comme celle-ci là. Donc je peux aussi sélectionner l'ensemble de mes lignes en cliquant en haut à gauche. Le copier ici est moins efficace, si vous voulez, pour un export vers Excel, que de cliquer sur exporter et Excel. Le format des colonnes numériques et alphanumériques seront mieux conservés en faisant un export que en faisant un copier-coller. Alors maintenant, une chose importante dans ce qui est collé, donc vous pouvez effectivement coller des données qui viennent d'autres applications ou d'un fichier Excel. On verra ça dans une autre présentation. Cependant, il y aura des petites contraintes dire, à suivre avant de faire ce collage. Alors, j'ai cliqué sur le 3D. Donc, ensuite, bon, le bouton actualiser, bon, là, c'est tout simplement actualiser les données, rafraîchir les données. Il faut bien comprendre que Sequoia ne va pas en permanence rafraîchir les données. C'est-à-dire que, par exemple, je suis sur cette commande client. Là, j'ai par exemple ici, j'ai un nouveau mode de règlement, par exemple. Je ne l'ai pas dans ma liste. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Moi, en général, je vais me faire ici une 3D qui me permet d'aller directement sur ma nature de paiement. Alors, tout ce qu'on voit là, évidemment, il y a toute une sécurité qui est possible de mettre en place par derrière et qui va, bloquer ces accès 3D comme on voit, pour éviter que toute personne puisse venir modifier les différentes listes. Donc par exemple là ici je vais rajouter sur cette nature de paiement mettons un nouveau paiement. Okay. Donc là je l'ai rajouté dans ma liste. Donc, si je reviens en marche arrière ici sur ma commande sur laquelle j'étais, ici vous voyez qu'il n'a pas forcément rafraîchi la liste hein, puisque je viens juste de rentrer l'information. Ça pourrait être quelqu'un d'autre sur le réseau aussi qui rentre une information. Donc quand c'est le cas, j'ai juste à faire clic droit sur ma liste, actualiser, et là je retrouve bien mon élément. D'accord. Voilà, donc voilà un petit peu les manipulations au niveau des différents points. Donc après, on va revenir sur la notion de recherche et multi-recherche par la suite. On l'a annulé et rétablir. Hein. Bon, c'est je tape une information, je me suis trompé, j'annule. Alors le bouton annuler, il est valable jusqu'à ce qu'on change d'enregistrement. Dès qu'on change d'enregistrement, on repart à zéro au niveau de l'annulation. Bon, les exports, des choses importantes, c'est on peut exporter soit en PDF, soit en Excel. Donc là, par exemple, je vais revenir sur cette ligne-là, où là, je vais pouvoir faire des exports PDF. Donc l'export PDF est valable uniquement lorsqu'on est sur une grille d'information. Donc, on verra plus dans un autre chapitre comment utiliser la fusion vers du public postage. Donc, envoyer un mail, c'est tout simple. Hein. On a une liste où on va avoir, par exemple, je vais aller sur mes tiers. Dans ma base de recherche ici, je vais avoir une liste de tiers. C'est-à-dire que
Par exemple, là, j'ai une colonne mail. Lorsque je vais cliquer, pardon, exporter, envoyer un mail, toute personne qui aura, enfin, dont le mail sera renseigné, se verra directement dans dans ma liste CCI là, de mon mail. J'aurai plus qu'à à taper mon objet et mon corps de mail pour l'envoyer. Donc ça peut être très pratique pour faire du mailing à une multitude de clients en même temps, ou à des fournisseurs, ou des commandes en cours, on veut relancer des commandes fournisseurs par exemple. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent se mettre en place très facilement, mais très rapidement. Voilà. Après, qu'est-ce que je vais avoir dans mon bouton droite? Je vais avoir... ouais, voilà aussi. Une autre chose très importante aussi, c'est par exemple, imaginons ici, j'ai 14 rues du test. Si je veux voir dans Outlook, et uniquement dans Outlook, hein, ce qui, comment dire, qui contient 14 rues du test, on peut le faire directement. Vous voyez, il va faire une recherche automatique de 14 rues du test. Il va retrouver partout où il trouve ce mot dans les différents mails, les mails dans les différents mails que vous avez. Après, les opérations diverses, alors ça c'est une chose importante, hein, les opérations diverses. Donc on reverra dans une autre vidéo comment manipuler les données de façon en masse, c'est-à-dire modifier des données en masse. Donc c'est ce qu'on verra dans envoyer en partie haute. Après, il y a une option de déverrouillage, c'est-à-dire que une commande, par exemple, on va aller sur une commande, ou un devis, ou une facture, lorsqu'elle va être soldée, comme ici là, voyez, si je solde cette commande, elle est verrouillée, elle est grise, donc on ne peut plus la modifier. Non seulement on ne peut plus modifier l'en-tête, mais non plus les lignes, et en cascade, tout ce qui en découle. Alors cependant, des fois, alors par exemple, la commande est automatiquement soldée lorsque la livraison est complète. La livraison est complètement soldée lorsqu'elle est totalement facturée. Donc ce mécanisme-là, des fois, ben, on s'est trompé ou on veut rajouter une information sur une commande. Donc ben, celui qui a le droit de pouvoir déverrouiller ces différentes fiches aura dans opérations diverses le bouton déverrouiller qui sera allumé. Les autres n'ayant pas le droit ne pourront pas déverrouiller par exemple une commande soldée. Donc vous voyez, en déverrouillant, hop, je réactive ma commande ou mon devis ou ma facture pour pouvoir la modifier par derrière. Donc ces droits de déverrouillage seront expliqués plus longuement dans une autre vidéo sur la gestion du personnel et des utilisateurs Sequoia. Donc après, une chose importante, c'est ce qu'on appelle figer les splitters. C'est-à-dire que vous pouvez travailler sur Sequoia, sur différents écrans de différentes tailles. Ce qui est important par derrière, c'est de dire, bah, par exemple, à chaque fois que je vais rentrer sur ma commande de vente, je veux que alors ce qu'on appelle les splitters, donc c'est les barres entre chaque formulaire, soient figées. C'est-à-dire que par exemple, là, je détermine que ce soit comme ça. Et puis ici, à droite, entre le commentaire et les lignes, je veux que ce soit de cette manière-là. Là, j'ai juste à faire bouton droite opération figer les splitters. Ce qui veut dire que maintenant, ça ne m'empêche pas de redimensionner mes différentes parties de formulaire. Cependant, chaque fois que je vais revenir dans le logiciel, ils arriveront de la manière que je les ai figés. Dans mes opérations diverses, alors bien penser à opérations diverses, il y a beaucoup d'utilisateurs qui oublient cette notion ou qui ont peur un petit peu d'aller dans ce sous-menu, mais qui est quand même important puisqu'on coupe beaucoup d'enregistrements, d'actions possibles. Donc après, bah, les enregistrements précédents, suivants, c'est qu'on va se déplacer hein, par rapport à par exemple ici, je rentre sur ma commande, sur cette commande-là. Et en faisant F11 ou F12, hein, qui sont, on ne l'oublie pas, qui sont les touches de raccourci qu'on trouve à droite, là, F11 ou F12, je vais passer d'enregistrement en enregistrement. Donc, en l'occurrence ici, de commande en commande. Vous voyez, si je fais F12, voilà, je passe à une autre commande, voilà, une autre commande, une autre commande, et F11, je reviens en arrière. Donc je vais naviguer comme ça dans Sequoia en faisant F11, F12. Donc ça peut être des fois intéressant. En faisant F11 F12, vous allez ici en recherche filtrer, mettons, si vous voulez voir toutes les commandes d'un client. Donc vous allez filtrer
filtrer le client. Et après, en faisant F11 et F12, vous allez passer de commande en commande sur ce client. Donc, ensuite, alors, une chose très importante aussi, c'est que pour ceux qui ont des besoins de traduction, à n'importe quel endroit où vous vous trouvez dans le logiciel, vous pouvez faire clic droit, opérations diverses, traduction. Donc, cette option vous permet d'arriver dans ce qu'on appelle la base des traductions, donc qu'on retrouvera dans les paramètres. Et là, mais ils vont filtrer aux mots que vous souhaitez traduire. Et donc là, il suffira de dire, bah, par exemple, 30 jours fin de mois en langue anglaise, ça se dit de telle manière. Donc ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que bon, il y a un petit lien vers Google Trad qui vous récupère le mot à traduire. Vous voyez, par exemple, en langue anglaise, hop, je vais tout de suite sur Google Trad. Et là, il m'a récupéré mon mot. Donc, vous auriez plus qu'à copier-coller. Voyez, voilà. Copier-coller le résultat et le remettre ici dans le résultat. Donc, autre option aussi importante, donc c'est le mode création. Alors, le mode création va être uniquement pour bah, l'administrateur, hein, donc où là, l'administrateur va pouvoir modifier le formulaire de saisie. Lorsqu'on n'est pas administrateur, c'est marqué recharger le polymorphe, et donc là, recharger le polymorphe. Si l'administrateur a fait des modifications sur la structure du polymorphe, vous allez pouvoir le recharger à partir de cet endroit. De ce menu. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon de la manipulation dans SQL, les manipulations, je dirais, générales. Hein. Donc bien se rappeler, la barre de menu qui est en haut, comment dire, le corps du logiciel, donc vous allez visualiser bah, par exemple ici un formulaire, mais si par exemple là je voulais voir un document, le document se chargerait exactement au même endroit. C'est-à-dire, alors, là, c'est pareil, vous avez la possibilité aussi d'avoir deux types d'affichage, l'un auprès de l'autre. Là, par exemple, je visualise mon document, donc il va arriver par-dessus mon formulaire. Lorsqu'il arrive par-dessus le formulaire, ce qui est intéressant, au niveau du document, vous venez juste à faire échappement et ça revient directement sur le formulaire à partir duquel j'ai fait appel à ce document. Et donc, dans ce formulaire, vous pouvez faire apparaître deux formulaires l'un auprès de l'autre en cliquant simplement sur la touche majuscule. Par exemple, ici, je fais les encours, les commandes, et en même temps, j'appuie sur la touche majuscule. Et là, le formulaire va apparaître sur une deuxième partie, vous voyez, de l'écran. Donc, comme ça, vous allez pouvoir, par exemple, comparer deux commandes ou deux articles ou deux clients. Ensuite, une fois qu'on a fait apparaître un deuxième formulaire, le fait d'appuyer sur les touches en simultané contrôle flèche à droite ou flèche à gauche pour le faire réapparaître. Vous voyez, ça va me faire disparaître, réapparaître mon formulaire. De la même manière, si je voulais visualiser mon document sur la partie droite de l'écran, il me suffit juste d'appuyer, vous voyez, j'ai appuyé en même temps sur Shift. Ah, ça ne fonctionne pas. Bon, normalement, en appuyant sur Shift, nous voyons ça sur la partie de droite. Donc voilà un petit peu pour une présentation générale. Hein. Donc, comme on disait, menu principal en partie haute, menu secondaire à droite et le corps des documents en plein milieu. Donc comment dire, options supplémentaires. Donc sur la partie haute à droite, ici vous avez le bouton donc d'accès à Speaker Corner, donc qui est le réseau social de Sequoia. Et lorsque vous aurez des messages sur Speaker Corner, vous verrez ce petit bouton clignoter. Bon, YouTube vous permet d'accéder à nos chaînes de formation. Ici, les deux boutons de navigation hein, pour revenir en arrière ou aller en avant dans les différents formulaires que vous avez ouverts. Ensuite, en cliquant sur le Sequoia donc, qui est à droite, avec le bouton gauche de la souris, on va retrouver quelques options supplémentaires, comme l'assistance, hein, qui peut être pratique lorsque vous êtes bloqué sur une fonctionnalité. Donc, le mode tactile qui permet d'avoir une meilleure adaptation à l'utilisation tactile de Sequoia. Et après, les différents menus. Bon, là, une chose importante aussi, c'est lorsque vous allez mettre en place
des documents avec des codes barres. Il faut d'abord enregistrer, c'est les polices de codes barres, et c'est ici qu'on va venir les enregistrer. Bon, après, on peut créer des nouveaux menus, mais ces options-là sont réservées à l'administrateur qui aura les droits de pouvoir créer des menus. Donc voilà, en quelque sorte, cette présentation. Donc, je vous invite à continuer à voir d'autres présentations sur notre site pour avancer un petit peu dans dans l'utilisation de ces paliers. Merci de votre attention, puis à bientôt. Allez, au revoir.